jeune femme que j'allais épouser. Mais... Oh putain. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Non, laissez-le. Attends, je te défonce, moi. Hein. Venez. Je suis l'abbé Faria. Qu'est-ce que c'est que ce délire, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Pourquoi? Mais non, c'est pas bien. Attends, mi Caïra des années 90 en bas, mi mafieux italien de merde en haut. Si tu veux, je t'apprendrai. Bah non, ça fait pas. T'as rien pour changer? Mais je sais où se trouve le trésor. Oh putain. Vous vous rappelez pas de moi? Qui êtes-vous? Je suis juif. Docteur juif. Notre petit Edmond a une grande nouvelle à t'annoncer. Oui, oui. Oui, je vais être... Yepa! Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Monsieur, je vous dois la vie de mon fils, et pour ce bienfait, je vous bénis. Vous savez, moi en fait je suis acteur, donc c'est vrai que mon corps c'est un petit peu mon outil de travail. Mais là, en regardant, je me dis pourquoi pas un jour passer le pas, un petit pétard, et voir un petit peu le délire acteur studio pour essayer de comprendre en fait l'expérience surtout à la Daniel. Des Lewis, du... Je ne sais comment vous remercier. Au revoir, Edmond. Tu veux que je te défonce? Pose. Posez. Tu veux que je te dépose? Nous avons découvert un coffre. Ça, je prends en version du mouvement, même si ça me paraît quand même plutôt bien senti. Oyez, oyez! Ville manants et gentes dames, vous allez pouvoir vous prosterner à mes pieds, car je viens de vous trouver un donjon, non, un château fort, que dit-il? Balcon filant, cuisine américaine, double séjour, ascenseur, qui dit mieux, qui dit quoi? Si j'ai pas envie, je paye pas, c'est clair. Tout le monde ça? Quoi mec, c'est quoi ton problème? Si je te paye pas à manger, on est plus potes, c'est ça? Tu me kiffes que quand j'ai de la tige en fait. C'est pas ça que t'as dit? Alors ferme ta gueule, ferme ta gueule. Cassez les couilles là. Ça va, ça va. Je peux faire un tour. Quoi? Mais ça va aller, putain. Je vous ai promis ce concert, ça commence dans quoi? 10 minutes max, on est à même pas 50 bornes. Faites-moi un petit peu confiance. C'est pas vrai. Vous savez, en France, on dit les bons comptes font les bons amis. Ferme ta gueule, si tu veux pas nous aider, casse-toi, parce que là c'est pas constructif. Je peux vous garantir. Un taux d'intérêt de 20%. Regarde ça, le doux son du rabat-joie qui vient te flinguer l'ambiance, ça tu sais faire. Compte. Oh là là. Non, laisse tomber, j'ai pas la force. Fais comme tu sens, mec, ok? Edmond, je vous présente mon petit-fils. Alors, quel âge?